Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour et bienvenue. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Assassin's Creed Unity. Et on est à Versailles pour effectuer un assassinat de haute voltige, un assassinat qui restera dans les annales, un assassinat que l'on verra dans le JT de 20h. Je déconne. Il va pas du tout être dans les JT de 20h. Par contre, on va essayer. Hop. On va essayer de faire des choses. On va essayer d'effectuer des actions efficientes. Mais non, il n'a rien vu. Tu te trompes. Tu n'as rien vu. Très bien. Tu n'as absolument rien vu même. Oh, oups, j'ai gaspillé une flèche. Ce n'est pas grave. Eux non plus ne voient rien. Discrètement. Tu meurs? Alors, tu veux te battre? Une justice rapide, tu vas voir. Sévère et inflexible. Qu'on amène les condamnés. Toi, tu meurs. Toi, tu meurs. On va y arriver, hein. Ça va être chiant, mais on va y arriver. Oh, Seigneur. Toi, mon gars. Oh putain, il commence à me saouler, le Arnaud. Voilà, monte, monte. Et il va falloir le. Là, on est à la voie maintenant. Tu meurs. Voilà, on va nettoyer tout ce qu'il y a autour, hein. Histoire d'être sûr de ne pas être dérangé. Voilà. Non. Très bien. Ils sont morts. C'était pas très infiltration tout ce que j'ai fait là, mais bon. Le résultat n'en serait que meilleur. Si ça peut m'aider à réussir la mission, hein, écoutez, j'ai envie de dire. On a le champ libre. Oui, on a le champ libre. Je n'ai fait que voler une miche de pain. Hugo, regarde. C'est le voleur de montre. Le
Eh bien sale. Vous n'avez rien à faire ici. Tu viens nous narguer? Je viens aider. Au nom du Christ. D'abord. Je n'ai fait que voler une miche de pain. L'un des gardes a la clé. Lequel? Je ne sais pas lequel. Peu importe. Oh bah il est déjà mort. Et on va aller lui voler du genre tranquille. Voilà. Ça va faire une diversion. Ah bah bravo, voilà. Ah bah bravo, oui. Ah bah franchement. Voilà, bon bah on peut pas. Hein ? Apparemment on ne peut pas. Bon c'est complètement débile hein. À partir du moment où vous tuez un garde avant. Bon bah voilà, on peut pas. Bon bah alors on va tenter autre chose hein. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vu que ce jeu est buggé, vu qu'il est fait par Bugisoft, et j'avoue que ça commence un peu à me saouler. Mais putain, le mec je l'esquive. Ah, trois fois j'ai appuyé sur la touche de contre. Hein. Voilà. On les fouille. Donc on oublie pour les prisonniers. Voilà. Donc comme vous avez pu le voir, hein, j'invente rien. Le jeu est complètement buggé. J'avais tué le garde avant. Du coup, bah apparemment la clé disparaît avec le corps du garde. Hein. Tout est normal. De toute façon, on commence à avoir l'habitude. Allez, casse-toi. Mais qui m'a vu? Personne ne m'a vu. Lui, d'accord. Je savais, j'en ai tellement rien à foutre de toi. Pas. Mais où es-tu? Hein? Montre-toi, maudit rapace. Meurs. On pourra retourner à Versailles hein, si on n'a pas tous les coffres. Il n'y a pas de souci. Tourne-toi. Ah, j'ai un bruit parasite, c'est bizarre.
J'ai l'impression qu'il y a un bus dans ma rue, donc je suis désolé si ça vibre un peu. Et ah oui, il faut toujours que vous me disiez... Ah d'ailleurs, ça commence à devenir très gênant, c'est chiant. Il faut absolument que vous me disiez... Attendez, je vais couper parce qu'il y a trop de bruit. Ok, donc apparemment c'est les mecs qui sont en train de nettoyer les trottoirs avec les gros compresseurs et compagnie. Normalement ça devrait pas passer dans la vidéo. Je disais qu'il faut absolument que vous me disiez... En tout cas toi, tu dois embrasser ma lame. Et on va bourriner. Ok, j'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Alors Ubisoft, sachez que votre fin de jeu est complètement foireuse. Hein ? Comme ça vous le saurez. Foireuse de A à Z. Ah le mec, comment il a fait pour me repérer? Il était derrière moi. Voilà, voilà le genre d'incohérence du jeu. C'est pas grave, on va se calmer. On va pas balancer le jeu par la fenêtre. Ah oui, je me suis rendu compte aussi que l'histoire dans le présent, ce qui faisait partie intégrante de l'histoire avant, enfin une partie importante de l'histoire en tout cas, ils l'ont complètement passé à la trappe. Hein. Ils l'ont mais oublié d'une force. Ils l'ont oublié d'une puissance. Genre maintenant, en fait, c'est assumé, c'est rien à foutre. Il n'y a jamais eu, d'histoire dans le présent. Il n'y a plus de héros principal dans le présent. Oh, il commence à me casser les couilles sur les tourelles. Allez. Une justice rapide, sévère et agressive. Qu'on amène les condamnés. Allez, tu ne me vois plus. Très bien. Oh, le mec il me repère en automatique. Vous allez voir. Oh putain, en plus je suis trop loin. Oh putain, il me saoule. Là j'avoue que je commence à être gonflé par ce genre de truc. Donc tu meurs et tu te la fermes. En plus, il vous enlève les trois quarts de la vie d'un coup. Voilà, et les mecs, c'est des snipers. Même quand ils sont pas dans un angle très bizarre, ils... Voilà, donc ils commencent à me saouler. Et on se casse.
entre parcours foireux, histoire mauvaise et en fait en début de jeu j'avais une vision plutôt positive du jeu, mais j'avoue qu'en, quand je commence à arriver à la fin du jeu là, ça me gonfle tout doucement parce que c'est plus que répétitif, histoire elle est pas terrible. Le parcours est à chier, hein, les ralentissements sont honteux. Donc en gros, c'est complètement honteux. Je vais juste couper 2 minutes parce qu'il y a du bruit dehors et j'arrive pas à enregistrer. Voilà. Je suis désolé, il y a du bruit dehors parce qu'ils sont en train de nettoyer la rue. Enfin ça c'est un peu bizarre parce que d'habitude la rue est jamais nettoyée, mais par contre là, je sais pas ce qui s'est passé, apparemment il faut la nettoyer. Hugo, regarde. Du balai. Les voleurs de montre. Eh bien sale. T'aurais prévenu, citoyen. Tu viens nous narguer? Je viens aider. La porte? L'un des gardes a la clé. Je ne sais pas lequel. Peu importe. Voilà, nous on sait lequel, forcément. Voilà, on rentre par la fenêtre. Donne-nous ta putain de clé qui avait disparu. Voilà. Hein, connard. On va tous mourir si tu ne nous relâches pas. Je vais te faire avaler toutes tes dents. Ah, tu fais quoi? C'est ce qu'on appelle sauver quelqu'un. Pourquoi? Parce que le simple fait d'être une montagne de muscles sans avenir et sans cervelle ne me semble pas être un crime passible de la peine de mort. Hein ? Écoute, reste en arrière et laisse-moi passer le premier. Suivant ! Très bien ! C'est comme ça qu'on fait. On t'es pas déjà vu, toi ? J'en doute. Et je sais, les livres du coin. Attachez-le. Oh. Seigneur. Attendez, attachez-le. C'est que tu as raison. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est... Misère. Tu es mort. Congédié. Mais... Pourquoi? Parce que, monsieur Latouche, votre dernier compte-rendu contenait de nombreuses bévues. Monsieur, j'ai vérifié par 3 fois ces sommes. Il ne s'agit pas d'une erreur. 10 000 livres se sont évanouis du trésor de Sa Majesté. Je regrette. Adieu. Monsieur Latouche, on raconte que vous étiez percepteur. Oui, monsieur. Bien. J'aurais grand besoin de vos talents. C'est du parasitisme pur et simple. Ça veut dire quoi? On dit ça des fils de chiens qui se remplissent les poches au lieu de faire leur travail. Si tu savais tout ce qu'entendent les rats du chef. Dites-moi davantage au sujet de ce chef. Très bien. Puisse le père de la sagesse vous guider. Puisse le père de la sagesse nous guider. Qu'attendez-vous de moi, grand maître? Je mets tes services à la disposition de notre agent à la convention. Le pelletier? Non, le pelletier présente son utilité, mais il n'est pas notre seul ami au gouvernement. Mon bon Latouche, je te présente monsieur Maximilien de Robespierre. Monsieur, oh! J'ai cru comprendre que Versailles grouillait de parasites. Robespierre qui est un Templier. Et Cassos! Non mais non! Non mais. Putain, n'importe quoi, bref. Le mec il a à peine le temps de dégainer. Il me tire déjà. Il me tue en fait. Forcément, il y en a à tous les coins de rue. Allez, on va devenir anonyme. Très bien. Ça, c'est une mission rondement menée. Continuons. Bon sang, ils ont retrouvé notre trace. Et au pire moment... En charge, 2 secondes. On approche, initié. Arnaud et Germain se sont affrontés dans les mois qui ont suivi. Mais on ignore où et comment ça s'est terminé. On compte sur toi pour le découvrir.
Mais oui. Le portail est ouvert. Si tout va bien, ce sera ta dernière migration forcée. Et si ça se passe mal, tu te feras griller l'hippocampe et on te nourrira par perfusion jusqu'à la fin de tes jours. Essayons de ne pas y penser, ok? Excellent. On commence à toucher au but. On commence à arriver à la fin du jeu. Allez, parcours foireux, laisse-moi descendre. Jusqu'à maintenant, dans les vidéos, vous pouvez voir que c'est vraiment pas de la mauvaise foi. Hein. Le parcours est vraiment à chier. Les bugs sont là. Enfin, en gros, c'est un peu honteux. Je sais pas comment on peut se dire être une grande entreprise comme Ubisoft et sortir un jeu aussi foiré. Tout ça parce qu'on doit le sortir une fois par an, le jeu. Franchement, moi, je préférerais qu'il les sorte tous les 3 ans et qu'il soit vraiment parfait. Parce qu'ils en sortent une fois par an et qu'ils soient foirés comme ça, quoi. Enfin bon, c'est mon avis personnel et c'est dommage. Dommage pour le jeu parce qu'il a du potentiel et que ça pourrait faire d'excellents jeux. Mais il y a plein de petites choses qui viennent gâcher l'expérience de jeu. Notamment le fait que depuis avant, j'appuie sur putain de rond. Oui, oui, depuis avant, là, quand j'étais accroché, j'appuyais sur putain de rond et Arnaud ne voulait pas descendre parce que Arnaud est une tanche. Allez, saute. Ça devrait te rappeler quelque chose. Nous revoilà dans le Paris médiéval, à la fin du XIVe siècle. Tu es hors des murs de la ville. Tu dois trouver un moyen d'y entrer. Ok, le Paris médiéval. Si vous n'y voyez rien, ne vous inquiétez pas, moi non plus. YOLO! Ah d'accord. Les catacombes. Ah, j'ai vu une émission sur les catacombes qui était très intéressante sur Arte récemment. Je me souviens plus du nom, si je la retrouve, je vous la donne. Et c'est assez impressionnant ce qui a été fait pour... Enfin, dans les catacombes, quoi. Ok, des gens qui meurent dans tous les coins. C'est qui cet enfoiré? Pourquoi il fait ça? Bon, c'est pas notre problème. Hein. Quitter la salle principale. J'attends que ça. Par ici. Voilà, on voit beaucoup mieux avec la vue d'aigle. Ok. Pas de problème. Cette simulation est en train de se détruire. Trouve la sortie, vite. Ouais, ouais. Au bordel. YOLO. Ah, par ici. Construction des ponts de Paris. Bon, quand tu veux, hein. Voilà, comme t'es de nouveau foireux. Très bien. Excellent. Ok, je vais devoir traverser le champ de bataille. Tu y es presque.
D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là à Paris? C'était une bataille avec les Anglais, je suppose. Ok. Gratuité. Les Uruk-hai attaquent! Suis ma voix! Trouve la sortie! Vite! Ah, c'est la Bastille. Mais j'avoue, ne pas savoir ce qui s'est passé à cette époque. Enfin, avoir peu d'informations sur ce qui s'est passé. Très bien, continuons. Ok, initié, finissons-en. C'est la dernière ligne droite. Excellent, champ de Mars. Nous allons voir les défilés du 14 juillet. Du 14 juillet, hein. Avec l'accent allemand. Les choses ont beaucoup changé depuis que tu as quitté Paris. Nous avons beaucoup de torts à réparer. Et nous ne sommes pas prêts de trouver Germain. N'en sois pas si sûr. J'ai un nom. Lequel ? Robespierre. D'ailleurs, c'est pas du tout expliqué la manière dont il récupère les informations en tuant les gens. On sait absolument rien là-dessus. Enfin bon, c'est pas grave. De toute façon, les incohérences, il y en a des tonnes. On va juste regarder personnalisation du personnage, les compétences déjà. Portée, on s'en bat les steaks. Discrétion, ça on le fera mais on peut pas encore. Et santé, pareil, ça on le fera mais on peut pas encore. Très bien. En plus de ça, préparation de l'équipement, les armes. J'aimerais bien avoir une nouvelle arme à une main, une meilleure. Non, pas ça. J'avoue que ça... C'est efficace. 5000, 25000, 25000, que du 25000, c'est beaucoup trop cher. 25000, on peut la pirater. Ah, j'ai pas assez de trucs pour pirater. Ah, bien sûr, il faut payer en plus pour pirater, c'est dégueulasse. Sabre d'abordage, ça m'intéresse pas. Ah! Ah, mais ça coûte beaucoup trop cher. Bon, bah tant pis. Épée d'Eden, bien sûr. Ah, mais de toute façon, je suis bête aussi. Quand on aura fini le jeu, la mission principale, on continuera encore le DLC gratuit, la Dead Kings. Je crois que c'est... Je sais plus comment il s'appelait le DLC, mais c'est pas grave. On continuera ça. Bref, on va s'arrêter là pour cet épisode et on se retrouve dans le prochain épisode pour continuer la quête principale. Merci à tous, j'ai débloqué quoi ? Ouais, c'est pas grave. Merci à tous et ah d'abord en fait merci à tous mais pas tout de suite puisque on va récolter les sous-sous. On va d'abord récolter les sous-sous pour s'acheter une nouvelle arme un peu plus efficace. Toi, tu te fixes. Très bien. Et on va améliorer rapidement notre équipement, histoire de faire plus de dégâts, plus de tout, plus de joie, plus d'amour. Parce que bon, on arrive à la dernière mission, je pense que ça va être un peu plus costaud. C'est bien normal. La bonne cuisine. La French cuisine. Ici. Percevoir les revenus. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour. Excellent. Allons acheter des choses. Putain, 23 000, c'est pas possible. Comment on va faire ? Déjà, on va s'équiper au niveau... Au niveau... De l'équipement. Alors, poitrine. Normalement, on a gagné des choses. Manteau de fantôme.
Ça, c'est fort intéressant. Ça a l'air plutôt sympathique. Il y a d'autres choses ? Pas pour l'instant. Alors, on va s'équiper de ça. Et on va l'améliorer. Ouais, on va l'améliorer. Très bien. Avant-bras. Qu'est-ce qu'on a de nouveau ? Brassard ajusté de bourgeois. Bruit pour lame fantôme supplémentaire 3, on s'en fout, ça c'est chiant. Enfin, c'est pas terrible. Brassard de fantôme amélioré, alors, soit c'est... corps à corps santé. Discrétion santé. On va porter ça. Y'a rien de... Ah ! De maître sans culotte, corps à corps santé portée, discrétion. La discrétion, là... Bruit de chaos, bruit de profil actif. Non, on va porter ça quand même. Ouais, on va porter ça. À la taille, est-ce qu'on a des ceintures intéressantes ? Pas vraiment. C'est pas grave. Parce que j'ai pas envie de dépenser de l'argent là-dedans. Fantôme légendaire. Oh, un fantôme légendaire. La santé, elle gagne aussi. C'est plutôt bien. On l'améliore. Et la tête. Alors, capuche médiévale ajustée. Non, de soldat. Bon, écoutez, deux fantômes. Comme ça, on a l'équipement complet. Et on l'améliore. Très bien. Et tant qu'à faire, est-ce qu'on met pas... les avant-bras ? De mettre... Non, on va les garder, les brassards de maître sans culotte. Très bien, bah écoutez. On est équipé. Les armes, je vais trouver un moyen de gagner un peu d'argent pour les équiper de manière plus... Ah, Ah bah voilà. Ah bah écoutez. Eh bah on a assez d'argent. Mais c'est l'amour. Eh ben, ma voix est insupportable. Alors, sabre royal, 25 000. Dégâts, parade, portée. Fauchon droit, on s'en fout. Shkiavan, ça coûte trop cher. Katana. Oh, katana. Épée à garde serpent. En fait, c'est juste l'apparence qui change, quoi. Alors, on prend ça. Ou ça. Non, pas ça, ça c'est moche. Ça coûte trop cher. Ça non. Alors, soit ça, soit ça. Soit le katana. Alors, personnellement, je préfère. Épée rapide et précise dispose d'une garde en forme de serpent. Les membres de la famille royale méritent ce qu'il y a de mieux, cette arme ne fait pas exception. Ça fait un peu royaliste tout ça. Hein. Mais j'aime le sabre, alors on prend le sabre. Très bien, on a le sabre. Ce sera bien mieux pour se battre. Et ça va avec notre tenue du swag. Du coup, on est paré pour attaquer les méchants. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, et on se retrouve dans le prochain épisode pour aller botter des culs. Merci à tous et à plus !